Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais faire une carte d'anniversaire. Une carte d'anniversaire, mais pour mon chouchou. Voilà. Aujourd'hui, alors c'est pour ses 65 ans. Voilà. Elle est allongée, là, comme une grosse lapine. Alors aujourd'hui... C'est pour mon chouchou, 65 ans. Donc, je vais lui faire une jolie carte. Alors, il m'a dit, je veux pas de cadeau, nanana. Mais bon, il y a des cadeaux qui vont arriver aujourd'hui par Amazon. Enfin, c'est pas des cadeaux. Bon, un livre et puis un kit pour se raser. Voilà. Il y a un toutou qui aboie. Bon, regardez pas ma tête, hein. La précédente vidéo, vous aviez vu la même tête, c'est normal, j'ai fait la vidéo le même jour. bon, Fifi, attends, c'est parce que je voudrais montrer. Alors, j'ai sorti plein de choses, enfin plein de choses. J'ai un happy birthday comme ça, un grand, je ne sais plus comment s'il se découpe en pièces détachées ou pas. Et j'en ai un plus petit. Alors, lui, il a... il va falloir que j'enlève, il y a encore des petits papiers dedans. Pareil, lui, je ne sais plus s'il se découpe en pièces détachées ou pas. Mes chiffres, bien sûr, pour marquer 65 ans. Et j'ai pris des cœurs de toute taille. Voilà. Une carte comme ça, d'action, en bleu. J'ai pris du bleu, comme ça, brillant. Un cardstock bleu comme ça. Et puis, bon, j'ai ma boîte. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais mis toutes mes chutes dans le carton brut funère. Donc, j'ai plein de chutes là-dedans si je veux une chute de papier. Voilà. Alors, je vais vous installer pour que vous voyez bien tout ça. J'ai ma Big Shot. J'ai... Mon... Oh, Fifi, tes poils, il y en a partout. Ma machine à découper. J'ai mes double faces. J'ai mes petits stylos colle. Mes ciseaux. Bon, je pense que je dois avoir tout. J'ai mon... Hop, au cas où j'aurais besoin. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire une jolie carte pour papa. Hein, on va faire une jolie carte à papa? Oui, si tu me laisses faire. Allez. Je vous mets face bureau et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici. Alors, je vais d'abord couper un morceau de papier. Alors, est-ce que j'ai encore le nom là? Oui. C'est une feuille glitters adhésif. Ça s'appelle O Glitters. C'est de chez Toga. Donc, c'est de l'adhésif. Voilà, comme son nom l'indique. Donc, je vais couper les chiffres. Alors, moi, les chiffres, je ne les ai pas détachés. Hein. C'est rien, je les garde, ceux qui se découpent quand même. Hop. Ça peut servir pour un autre anniversaire. Là. Et on va découper nos chiffres. Donc, je vais commencer d'abord par ça, avec la Big Shot. Vous allez bouger comme d'hab. Hein. Je suis désolée. Oula, on fait vraiment bouger. Bon, là, il va falloir que je passe plusieurs fois, parce que le glitter adhésif est un peu plus difficile à couper. Mais c'est pas grave. La saucisse. Ah, j'ai oublié de prendre de mon petit bloc là-bas. Je vais aller chercher après. Bon, j'ai dit à Chouchou, je vais en haut, je vais faire quelque chose, mais il se doute bien que je vais faire une petite carte. Il me connaît bien. Bon, alors, hop. Est-ce que c'est bien coupé tout ceci? Encore repasser une fois.
Ouais, le glitter à la Big Shot, c'est un peu plus dur. Là, j'ai pas pris le doré. Doré, c'est plus féminin. L'argenté, c'est plus masculin, je trouve. Allez, c'est bon là. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Alors. On va essayer d'enlever ça. Tout en délicatesse. C'est surtout sans enlever l'adhésif. Voilà. Et ben oui, le 5 est resté, mais ça y est, on va le. Ben le 5, j'en ai besoin de toute façon. On va quand même le remettre là. En attendant. Le 2 est resté aussi. Hop. Remets-toi là. Remets-toi à ta place. Voilà, comme ça. Et comme ça, après, je garde la plaque avec les autres chiffres. Et le 9 est resté sur le dice. En entier. Voilà. Le 9, on va essayer de le récupérer. Sinon, je le récupérerai après. Oui, bon, je le récupérerai après. C'est pas très grave. Donc, voilà. Mes chiffres sont coupés. Je mets de côté. Ah oui, je disais qu'il me fallait mon petit bloc que j'ai oublié. Ces petits blocs là, mixette, média, je crois qu'il n'y en a plus. Jésus. Alors on va voir. Est-ce que j'ai besoin pour faire un fond? Peut-être faire un fond avec les étoiles. C'est joli celui-là, voyez. Oh, désolé, il y a le flash. Alors, on va couper. On va faire du 14,5 comme je fais d'habitude. Ça, on va le coller là-dessus. Donc, on va le mettre avec du 3D. Mais comme je vous ai déjà dit, le 3D est devenu assez fin maintenant. On pourrait le doubler, hein, mais bon, pour les cartes, ça me suffit. J'ai retrouvé mon petit ciseau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait bien, Madame la Marquise? Alors, ah oui, je vais regarder mes... Alors, je vais déjà enlever. Je ne sais pas lequel je vais mettre, c'est le grand... Ou le petit.
Justement, je crois que j'avais fait que de l'adhésif, celui-là, avant. Voilà. Parce que celui-ci... Alors, on va regarder la grandeur qu'il me prend. Il me prend de la place hein, sur la carte. Donc, si je veux mettre des cœurs derrière, par exemple. Bon, par contre, celui-là est très petit. Celui-ci est très petit. Donc, je pourrais mettre des cœurs, mais comme ça. Dans ce cas-là, je ferai des cœurs un peu enchevêtrés, comme ceci. Ce serait bien. Ouais, celui-là, je le trouve un peu grand. Bon, on va essayer celui-là. Et comme ça, je peux mettre le 65 là, dans le coin. Alors, dans quel papier je vais le faire ? Qu'est-ce que j'ai encore comme papier ici qui irait? Non. Non, là, j'ai plus de papier qui... Je vais regarder dans mes chutes ce que j'ai. Alors, dans mes chutes, j'en ai hein, du papier. J'ai tout ce qui... Voilà, j'ai ça. Ça, c'est pas mal. Alors, je crois que j'en ai un autre bout. Voilà. Ça, c'est pas mal. L'holographique. Voilà. Je crois que je vais prendre ça. Hop. Je crois que je vais mettre ça. Alors, celui-là, non. Celui-là, non. Les notes de musique, non plus. Mais du coup, attendez, il faut que je garde pour les cœurs après. Je vais déjà faire le Happy Birthday. Alors, le Happy Birthday, je vais le faire là-dedans. Alors, je vais regarder si je peux le faire dans celui-là. Un petit bout de chute. Les petits, même un petit bout comme ça, je garde parce que j'ai des mini étoiles. Ça peut servir pour faire mes mini étoiles. Alors, birthday et le happy, ça rentre dedans. Bon, je vais faire un par un parce que des fois ça bloque quand on fait deux en même temps. Faire le birthday. Alors celle-là, je ne sais plus quelle marque que c'est. Hein. Ça vient pas d'Action, hein, bien sûr. Mais ça, c'est une marque, les roses comme ça de Dyes. Je n'aurais pu vous dire. Alors je sais plus si on me les avait offert ou si je les avais rachetés à quelqu'un. Ça fait très longtemps que je les ai. Alors, par contre, je passe plusieurs fois. Désolé, je vous fais bouger. Hein. Bon, je vais regarder si ça va. Ah mon Dieu, c'est des... Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est des lettres une par une. Ah mince. Ah ouais, non, ça va pas me faire ça. Alors, attendez. C'est quoi ça? Ah, ça coupe pas en bas.
Oh, c'est bizarre. Oui. Le bas ne se coupe pas. Ah non, le bas ne se coupe pas. Je n'avais pas vu. Vous voyez? C'est pour mettre en relief comme ça. Alors, attendez que je vous montre. Voilà, c'est pour mettre en relief comme ça. Ah oui, mais là, ça me va pas. Ben voilà pourquoi j'ai eu des difficultés sur mon stickers à le couper. Ah zut. Bon, alors ben j'abandonne celui-là. Dommage. Alors oui, du coup même alors le. Oui, même l'autre, vous voyez, il ne se découpe pas en bas. Pas celui-là, excusez-moi, je viens de vous le montrer. Le happy, pareil, ça se découpe pas dans le bas. C'est pour faire debout. Voilà. Bon, ben ça ne m'arrange pas par contre. Alors, non. Bon, je remets dans sa petite boîte. Bon, c'est joli, hein. Mais pour une carte, non. Alors, du coup. Alors, par contre, les oléographiques comme ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Bon, alors, attendez. Du coup, je suis obligée de faire avec celui-là. Bon, je peux faire le birthday. On va essayer le birthday. Sinon, je vais faire autrement, hein. Je vais remettre mes joyeux anniversaires que je mets d'habitude. Bon. Alors. Je vais couper ce qui ne m'intéresse pas. Ah mince. C'est dommage. Bon, tout à l'heure, ça rentrait, ça rentre plus. C'est quoi, ce Beans? Ça veut plus rentrer, maintenant. Je vais avoir celui-là. Et le happy. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vais voir ça. Sinon, on va mettre un joyeux anniversaire en. Mais je les ai qu'en doré, je crois, donc c'est ça qui m'embête. Voilà. Hop. Allez, c'est reparti mon kiki. Je vais me mettre debout là pour avoir plus de force sur ma big shot. Désolée, je vous fais bouger. Je suis là, hein. Vous avez vu mon coude? Voilà, je ne veux plus avancer. Ah. J'ai acheté ma Big Shot, j'aurais dû acheter l'électrique. Ça marche pas, je. Ah, voilà. Maintenant, on va l'enlever.
Voilà. Mon birthday. Le petit point sur le i. Hop. Pas oublié, hein. Voilà, j'ai mon birthday. Maintenant, on va faire le happy. Mais le happy, je crois que c'est lettre par lettre. Bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est lettre par lettre, là. Alors. Hop. Bon. Maintenant, est-ce que je refais un papier plus neutre. Alors, je recherche là-dedans encore. Et si je refais plus court, le problème c'est que je vais on va essayer. De toute façon, mes papiers ne sont jamais perdus. Alors, j'étais en 14,5. Je vais faire du 14. Si je dois recouper encore un petit peu, je recouperai. Là, je vais mettre du 3D, mais je crois que je vais le mettre double. Alors, mon 3D. Personne ne sort. Alors, que je regarde que je suis toujours dans le bon sens. Je suis toujours en pupitre, hein, moi, pour mes cartes, vous voyez. C'est ma marque de fabrique. Alors, attention. Bien droite. Là. C'est-à-dire pourquoi j'ai mis des étoiles dans le fond. Oui, je sais, j'ai mis des étoiles et puis on ne les voit pas beaucoup. Mais si, on voit un petit peu sur les côtés. Bon, maintenant, il faut que je vois. Alors, comment je vais mettre le reste. Donc, le birthday va venir là. Le happy. Du coup, le happy, je ne vais pas le mettre droit. Quand il y a des lettres comme ça, une par une, j'essaye de ne pas faire droit. Comme ça, je ne m'embête pas. Merde, j'ai perdu mon... J'ai soufflé, j'ai perdu mon Y. Ah, et encore un gros mot. Là, voilà. Mon happy. Et j'avais dit des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Mais bon, du coup, je ne vais pas mettre mon grand cœur. Enfin, les petits cœurs. Il faut que je mette mon 65 ans. Alors, mon, ah ben, voilà mon 65. Tu colles beaucoup, toi. On va se remettre un petit point de colle. Hein. Ah, ben voilà. Oui, peut-être comme ça. Le 5 et le 6 dans les cœurs.
Dans ce cas-là, je mettrai deux grands cœurs. Ouais. Alors, je remets mes chiffres là en attendant. Et je vais couper deux cœurs. Donc, quoi? Je vais regarder si dans le blanc ça va. C'est l'adhésif celui-là en plus. Voilà. Et est-ce que je sais déplacer mon deuxième cœur dans ma petite chute? Yes, normalement ça passe. Oh, qu'est-ce que je suis bonne. La fille qui sent des fleurs toute seule. Oui, c'est un glitter, il y a la petite étiquette. Donc, voilà. Est-ce que ça colle assez? Ça ne me paraît pas coller assez. Mettre un petit peu de colle en plus. Ici pareil, des petites pointes de colle en plus. Avec le stylo d'action. Voilà. Bon, maintenant on va mettre le birthday. Donc le birthday, ben, on va se servir du stylo colle. On va prendre un papier pour ne pas en mettre partout. Voilà. De toute façon, c'est pas un sticker, ça, celui-là, non. Ça, je crois que j'avais une pince. Non, mince, on sait rien. Mettre à l'endroit, ce serait bien. Alors, mon petit i.
Voilà. Et maintenant, on va faire le happy. Happy day. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va. Ah oui, je garde mon carton pour mettre la colle. On va mettre de la colle sur les chiffres. Alors. Voilà. J'avais pas un cœur plus petit, oui. Non, il est trop grand. Il est trop grand. Je voulais mettre des petits cœurs ici. Alors, j'en ai plus petit, mais où il est? Petit, petit cœur. Petit, petit cœur. Il est où? Après j'ai celui-là et celui-là il va être je pense trop grand. Alors on va regarder. Non, je préfère le tout petit. Alors on va faire dans les dans le stickers. Juste remettre des petits cœurs, trois, quatre petits cœurs. Ça se trouve bien. Vous voyez, tout petit cœur comme ça. Alors, et il y en a. Je vais mettre une pointe de colle en plus. Je les colle tout de suite, comme ça je vois combien il m'en faut. Je pense que je vais en mettre trois. Celui-là, je crois que c'est, il était ce petit cœur-là, je l'ai eu quand j'ai eu la Big Shot.
me suffit. Hop. Voilà. Toute brillante. Comme je voulais. Alors, attendez, j'essaie de vous enlever le flash. Voilà. Voilà, toute simple. Bon, dommage pour le petit happy birthday, mais bon, j'avais pas fait attention que c'était comme ça, mais bon. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Bon, c'est super simple, hein. C'est pas une carte franfreluche, mais bon, de toute façon, comme c'est pour un homme, on peut pas faire de carte avec des franfreluches, comme on dit. là, c'est en plus pour ses 65 ans, à mon petit papy. Donc j'espère que ça, bon, je sais que ça va lui plaire, hein. Il aime bien tout ce que je fais, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ben, vous dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous auriez fait autrement, est-ce que vous auriez fait comme moi, voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous mets les petites photos à la fin de la vidéo de la carte. Et ben, j'attends vos commentaires sur cette petite carte. Voilà. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.